Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer l'émote couronnement gratuitement sur Fortnite. Alors pour débloquer cette émote, logiquement je pense que vous devez tuer un adversaire qui a déjà réalisé un top 1 sur Fortnite. Quand vous allez le tuer, vous avez une chance que la couronne tombe et que vous puissiez la récupérer. Alors c'est peut-être possible aussi que vous puissiez la trouver comme ça dans un coffre ou comme ça posé au sol sur Fortnite, mais je ne suis pas sûr. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors là, moi, mon poteau Valentin, il a tué une personne. Je suppose que c'était une personne qui avait fait un top 1 auparavant. Quand il a tué cette personne, il y a une couronne qui a drop et il a récupéré cette couronne. Ensuite, il a fait un top 1 avec la couronne et là, il a débloqué l'émote couronnement gratuitement. Il faut impérativement faire un top 1 quand vous avez la couronne d'équiper sur vous pour débloquer cette émote. Sinon, vous ne débloquerez pas l'émote. Alors cette émote, elle est quand même super stylée parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez faire un top 1 sur Fortnite, logiquement, le nombre au-dessus de la couronne va augmenter. Donc ça pourra montrer aux autres combien de top 1 vous avez réalisé pendant la saison. Et comme ça, vous allez pouvoir un peu vous la péter auprès des autres joueurs. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakuloMec et ciao. Peace.